Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors, on va continuer toujours. Et comme suite à la vidéo précédente, on va faire la production écrite. Dans cette vidéo, on va traiter deux sujets à la fois. Le premier sujet, c'est le résumé. Le deuxième, c'est raconter un kidnapping. Dans la vidéo précédente, juste pour vous signaler que on a appris comment lire un texte, comment analyser un texte, quelles sont les choses par lesquelles on doit commencer. On a vu toutes les questions, on a répondu à toutes les questions qui seront posées dans un fait divers. Il y a quasiment toutes les questions qui seront posées dans un fait divers. On commence par le premier sujet. Faites le résumé du texte. C'est la question la plus essentielle. Donc, même si vous ne décidez pas de faire le résumé, il faut apprendre à le faire. Pourquoi on doit se focaliser sur le résumé? Si tu apprends à faire le résumé, ça veut dire tu as appris comment, la méthode adéquate qui te permet à comprendre ton texte. Si tu as compris le texte, alors tu peux répondre facilement au questionnaire. Et tu peux à la fois faire le compte-rendu de ton texte. Yani là, le bac tag, il est dans la poche. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, parce que la première année, c'est la préparation au terminal, au bac. Si tu n'arrives pas à faire cette activité, alors tu auras des difficultés à avoir une bonne note. Alors, on va voir le texte. On va voir le texte. Ça fait qu'il m'a dit que le résumé, le moulakhas, l'aise de t'apprendre. L'aise. Mais il n'y a pas de temps. Parce que l'âge qui est le bidaya, t'apprendre le baccalauréat. ويعاونك باش تفهم النص وباش دير لو كونط روندو هذاك لا برودكسيون هذيك اللي تجي مع الاخر ويقول لك كيما هنايا حنا قلنا فات لو كونط فات لو ريزومي في الباك ان شاء الله يقولوا لك فات لو كونط روندو دو تكست يعني على بالي يقول لك حنا هضرينا غير على البريمير ولا اخر بصح يعني هي شو البريمير اني سي لا بريباراسيون او تيرمينال بون حنا اون ا فيو لا ديرنيير فوا هذا لو سوجي. Et sans le lire, parce que si vous voulez écouter comment j'ai lu ça, alors il faut aller dans la première vidéo. Donc, c'est un texte qui parle d'un kidnapping d'enfants. Yani, si vous voulez trouver le texte, il est sur h.france.bac, je vais le mettre. Alors, le texte parle d'un kidnapping, yani, ikhtitaf, d'enfants. Yani, hna ma nhadrouch ala l'ikhtitaf, l'événement principal, ce n'est pas le kidnapping, mais l'arrestation de deux individus à Ifloel. Donc, yani, tawqif nta l'ashkhas li sarqou had l'atfal. Au début, yani, hatarouna ala le premier kidnapping. Même بعد d'un enfant, puis un autre kidnapping où il y a même une fille qui a disparu, yani jusqu'à maintenant, il ne l'a pas retrouvée. Donc là, dernière Kamel, on a les questions à droite ou Kamel y a ou non, mais je ne peux pas le résumer. Allez la question, t'aimes bien. هي اللي نبازيو عليها باش نخدمو لو ريزومي. alors ce tableau ce sont les marques qui présentent les marques de l'énonciation يعني les éléments هذوك العناصر اللي يديرونا الاحداث الشخصيات وين وكتاش وهكذا aussi dans ce texte راحين on doit respecter l'ordre du texte يعني ما راحش نبداو منا لازم نبداو منا حتى يعني نتبعو نحيو حوايج هذوك لي زيكسبليكاسيون لي ريفورمولاسيون كامل هذوك نحيوهم باسكو علاش هنا اوني اون طران دو راكونتي بور انفورمي يعني كاينه لانفورماسيون هنايا الو هنا وين كاينه يعني وين كاين بريسيزيون ولا هكذا نحيوهم لهي الو هذا هو راح نقرا لكم انا لو ريزومي لي درتو راح نديرو لو تيتر تاعكم راح انت بون باردون مش هذا vous n'allez pas faire des modifications bzef vous risquez de sortir du cadre
du texte. Alors, il y a des formulations. Je vais vous faire des formulations parce que je vais vous faire des formulations tant que l'élève ne va pas me faire. C'est quoi le résumé? Sinon, on va faire facilement 1000 reformulations dans le texte. Mais je vais vous faire l'élève qui est exactement même si je vais reformuler le formulé. Donc, je vais vous dire. Après la tentative d'un double enlèvement, la brigade de la sûreté de la Daïra d'Ifouen vient de réaliser un coup de filet. Donc, après la tentative d'un double enlèvement, la brigade de la sûreté de la Daïra d'Ifrouen vient de réaliser un coup de filet en mettant la main sur deux individus à bord d'une 406 bleue qui ont tenté, Alors, comme j'ai dit, qui ont tenté une première fois kidnapper un enfant et ils ont tenté une deuxième fois kidnapper un enfant qui s'est enfui. Ou là, un autre enfant qui s'est enfui. L'enfant qui s'est enfui. Elle a le kit ou l'ina, elle a les deux individus. Les services de la sécurité, ou là de la sûreté, de la Daïra ont immédiatement averti ont été immédiatement avertis par les témoins, les malfaiteurs ont été arrêtés. Donc, je répète, la brigade de la sûreté de la Daïra d'Ifrouen vient de réaliser un coup de filet en mettant la main sur deux individus à bord d'une 406 bleue qui ont tenté une première fois kidnapper un enfant et ils ont tenté une deuxième fois kidnapper un autre enfant qui s'est enfui. Les services de la sûreté ou de la sécurité de la Daïra ont été immédiatement avertis par les témoins. Les malfaiteurs ont été arrêtés. Donc, là, c'est le résumé. يعني هدرنا فيه شكون وين واش هو les conséquences هو l'arrestation. Après, on va lire le deuxième texte. Racontez un kidnapping des petits enfants que vous avez lu dans un journal. Alors, on va rapporter un kidnapping ou là un rapt dans un journal. Yani, on va rapporter un rapt dans un journal qu'ils ont publié. Là, on va le raconter dans un texte. Alors, on a un grand titre atterrant. On va voir l'assassinat des deux enfants à Constantine commis avec une extrême cruauté. On va voir la lettrine Kbira. Deux enfants, Harun, 10 ans, et Ibrahim, 9 ans, viennent d'être assassinés et affreusement mutilés à Constantine. Bon, je vais expliquer ça en arabe, mais vers la fin. Ces meurtres commis avec une extrême cruauté nous rappellent à quel point la sécurité des Algériens est mise en péril. Ces jeunes enfants sont retrouvés morts mardi après-midi, ont été tués et leur corps affreusement mutilé. Ils ont été découverts dans deux sacs en plastique. Les corps ont été acheminés vers l'hôpital pour une autopsie. Publié dans Algérie Presse Service le 13/3/2013. Alors, je vous remercie pour la partie 1. On a les personnages, les victimes. Yani. Deux enfants, Harun, Ibrahim, on a précisé l'âge de eux. Quoi, l'assassinat, comment, yani, affreusement, ou à Constantine, ils étaient yani, mutilés, yani, qu'ils ont tués, ou qu'ils ont tués, et tout.
ces meurtres, يعني هذا القتل هذا ولا هذا الكريم هذا كومي يعني ارتكب avec une extrême cruauté يعني وحشية كبيرة nous rappelle à quel point la sécurité des Algériens est mise en péril يعني رانا في خطر ces jeunes enfants sont retrouvés morts mardi après-midi Ils ont été tués et leur corps affreusement mutilé. Ils ont été découverts dans deux sacs en plastique. Les corps ont été acheminés vers l'hôpital, يعني هزوهم تاهم للهوبيتال pour une autopsie, يعني للتشريح. راح نديرو هنايا الجورنال راح نديرو لو جور le mois et l'année. Parce que علاش باش يبان بلي ان جورنال راح نديرو هنا اون كولون هذا هو ان شاء الله كنتو فهمتونا بزاف اذا فهمتونا ديرونا لايك وبارطاجيو لا فيديو ونخليكم نقول لكم سلام